Et salut tout le monde, ici Réa de retour sous Psychonauts pour enfin aller voir un petit peu de l'entraînement du coach Aleander, voir ce qu'il nous réserve. Pourrons-nous rester dans le camp de vacances? Développerons-nous nos pouvoirs psychiques avant que notre père ne revienne? Les vraies questions. Hé, hey, où est-ce que tu vas, Malouf? Chut, je sèche! Ce cours est un piège mortel pour cingler! Écoute, le coach est fort. Au début du cours, il te met dans son esprit. Et puis, tu ne peux plus rien faire. Mais à l'intérieur, tu peux utiliser ses selles pour te tirer. Prends les miens, je n'en ai plus besoin. Je vais appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Trop tard! Bobby! Ah! Hey petit, tu me dois 5 points de flèche pour ta protection de la semaine. Allonge! Malouf! Ou bien c'est lui qui va t'allonger? Hé, hey, laissez-le tranquille. Oh, la mafia, quoi. J'ai entendu dire que t'avais été élevé dans un cirque. Alors, je vais te le dire avec des mots que tu peux comprendre. C'est moi, le costaud du coin. Vraiment? Parce que tu ressembles plus à une barbe à papa. Benny, marque sur ma liste qu'il faut que je le tue. Viens, on le verra en cours. Ouais, on réglera ça sur le champ de bataille. Du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu les boulis faire leur travail, on va pouvoir aller voir un petit peu ce cours. D'accord, donc ils sont tous en catatonie, en transe. Si tu prenais une photo, ça se conserve. Oups, pardon. Bon. Je crois que je n'ai pas le choix. C'est parti. Coach Oleander, je viens pour la formation de base. Petit, tu te rends compte que pour suivre ce cours, tu vas entrer dans mon esprit et que tu vas devoir revivre chaque souvenir douloureux de chaque bataille que j'ai menée. Ça va être moche. Alors, est-ce que t'es sûr de ne pas vouloir courir un peu au soleil avant, hein? Non, j'ai bien exploré la zone. Je suis prêt, chef. Donc, je pense tenter. Alors, dans ce cas... Tu es en retard, soldat! Entre là-dedans et fais-moi 20 pompes! Et c'est parti pour le premier niveau du jeu. Alors, c'est ça, le monde mental. On dirait un cabinet de dentiste. Un cabinet de dentiste mental. C'est un bureau de recrutement, petit, et je suis là pour vous recruter pour le plus beau métier du monde. Devenir un psychonaute. Vous mènerez la guerre pour la liberté mentale. Êtes-vous prêt à affronter la torture, la folie et la mort? Les posters derrière. Parce quoi. Que c'est votre dernière chance de dire non. Oh, moi, monsieur, je crois que je vais dire non, monsieur. Trop tard, soldat! Mais vous disiez... Il n'y a qu'un moyen de partir. Combattre! Je veux que l'un d'entre vous m'envoie un coup de poing dans les dents. Mais je vous préviens, si vous le faites, ce sera la guerre. Si vous êtes un homme, j'ai besoin de vous. Oh, alors quoi, de vous. Même les posters ont été traduits, c'est fou ça. Voilà de quoi je voulais parler. Allez! Charge! C'est quoi ce parcours du combattant? Mais il vient de se faire tuer! Un parcours du combattant mental, cœur d'artichaut. Il n'est pas mort. Sa projection astrale a été éjectée de ma tête. Et tu es aussi viré ta projection astrale si tu ne te décides pas à te battre tout de suite. On est parti. Donc comme vous le voyez, hein, le bureau de recrutement, bon, c'est transformé en tente de débarquement. Ouh. Et c'est la guerre dans l'esprit du coach, sans surprise.
Par contre, il y a potentiellement des collectibles, donc je vais faire attention. Parce qu'il est toujours utile de pouvoir collecter des objets. Donc une fois de plus, voilà, les bribes, un collectible. Et moi, le cochon agile. Et le petit cochon du coach. Quoi, quoi, quoi. Cochon qui fait coin-coin, bien aussi. Donc, les bribes et... Qu'est-ce que tu regardes? On a tous un bagage émotionnel, petit. Et si tu te rendais utile, fais un peu de tri pendant que t'es là. Cherche une étiquette qui correspond. Donc, les bribes de souvenirs et les bagages émotionnels sont les autres collectibles du jeu. Et donc là-bas, vous voyez, on voit une étiquette du bagage, l'étiquette du bagage en question. La voilà. Maintenant, ramasse cette étiquette et va la mettre sur le sac que tu viens de trouver. Sauf si tu préfères laisser tomber et faire 20 pompes. Hop. Et collecter les... enfin... Soigner les bagages émotionnels permet potentiellement de soigner les traumatismes psychologiques de l'individu, bien sûr. C'est un peu le principe des bagages émotionnels en soi. Je me demande s'il y a quelque chose de plus bas là. Ça n'a pas l'air. Connecter Stank. Gagne-moi vite à cette échelle. Montre-lui qui commande. On a une étiquette de valise, sans doute un autre bagage émotionnel qui doit se trouver pas loin. Hop. On collecte toutes les bribes. Je ne pense pas en avoir laissé. Et on grimpe. Tu pourras traîner tant que tu veux quand tu seras mort. Attention, il y a du feu en dessous. Faire attention un petit peu, hein, éviter de se faire cramer. Alors... On dirait un test. Il y a probablement une route secrète ailleurs. Hé ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu crois que t'es plus fort que moi ? Le nouveau ? Pardon ? Quoi ? Je suis pas débile ! C'est toi le débile ! Le coach est débile ! Cette colo est débile ! Ce truc qui vole vers toi est débile ! Qu'est-ce qui vole vers moi ? Oh ! Le pied de Bobby Fish, débile ! Crétin de nouveau ! Ouais ! Merci de m'avoir sauvé. Ben, en fait, je voulais sauver cette plante. Je n'en avais jamais vu de si saignante. Moi si. Elles sont apparues dans ce cauchemar affreux que je fais souvent. Tu fais des cauchemars? Oh, j'ai lu comment on fait pour les chasser. Tu me laisseras en voir un? Donc un peu plus d'exposition, trajet classifié. Je me demande bien par où on va passer. Est-ce que je peux sauter, moi. Au final, j'aime bien être en bas, quand même. Comme vous voyez, la plante saignante n'est pas exactement ce qu'il y a de plus rassurant, on va dire. Mais là, vous voyez là, ce trou. Ça sent l'arnaque. Ça sent le passage secret. J'y retournerai tout à l'heure, j'ai juste envie en fait de commencer
par le passage non secret en fait. Voir si je peux faire quelque chose avec cette, cette échelle. Genre là par exemple il y a des bribes. Je ne sais pas du tout par où il faudrait que je passe. Bon, allez, passage secret, parce que je suis sûr que c'est la partie la plus intéressante. De toute façon, il y a également plein de bribes par ici. Oula. J'ai chuté à la toute fin. Ce qui fait que je suis bon pour recommencer. J'ai encore un peu de mal à estimer les distances. Alors du coup c'est un bon entraînement, mais... Mentalis über alles. Donc littéralement en allemand, le mental avant tout. Je ne l'avais pas bien entendu la première fois. C'est maintenant chose faite. Oula, je suis quelque peu. Voilà. Allez. Essayez d'être moins hâtif. Normalement, des sauts simples suffisent. Quitte à se raccrocher un petit peu. Allez, on grimpe, soldat! Hop. Voilà. Faire sortir ça. Ah, il s'agit d'un passage latéral dans le niveau. Ouais. On vient de voir le dirigeable. Donc, si je saute là, allez, on grimpe, soldat ! C'est mis de l'autre côté du couteau en question. Ah par contre je ne sais pas par où c'est prévu que je passe. Ah par là. Ouais. Le allez on grimpe soldat en fait auquel je n'ai pas prêté attention sur le moment. Yay. Ah mes voyous servent plus que toi en bas. Par contre là je vais être obligé quand même de passer sur le dirigeable parce que. C'est pour ça que je passe par là d'ailleurs. Parce qu'il y a. Il y a des dirigeables de base en bribes de souvenirs. Oui, il y aura une ville en dessous. J'aurais dû sauter. C'est quelque peu périlleux. Et le double saut et mon ombre facilite quand même un peu la tâche. Voilà. Parce que le but c'est quand même que j'ai pas à revenir dans les niveaux pour chercher les bribes qui me manquent pour prendre mes levels. J'aimerais quand même essayer de débloquer un maximum de choses. Si ce n'est 100% le jeu, si j'ai de la chance. Ce serait quand même chouette. Manger une corniche. Non. Parce que je vais t'appeler Immobile. Ce n'est pas mon nom. T'as dit quoi, Immo? J'entends rien, tu parles trop lentement. Ah, hilarant. Est-ce que je peux monter là? Ouais. J'allais voir un peu par là. Parce que comme toujours, il faut s'attendre à des objets ou des collectibles cachés aux endroits où on s'y attend le moins. Ah oui. Voilà la valise dont j'avais récolté l'étiquette il y a quelques temps.
Et un bagage émotionnel de plus. Auquel on a réglé son compte. Mentalis Uber Alles. Ya ya. Actuellement, on a vraiment une imagerie guerrière au niveau des tags. Des bribes de souvenirs. Oh, je viens de voir quelque chose tomber. Tu pourras traîner tant que tu veux quand tu seras mort. Ah, il doit faire un passage cyclique ce tag, mais... pas le rater. Alors, tu pourras traîner tant que tu veux quand tu seras mort. Hop. Allez, on va faire face à ce Mad. Sur ce genre de mur, tu peux grimper en haut, en bas, sur le côté, comme tu veux. Mais grimpe dessus. Vite, comme un macaque. Les encouragements me font chaud au cœur. Hé hey, doucement, Mario, nouveau plus que toi, si tu passes, Bobby et moi, on aura l'air d'idiot, et Bobby va te cogner dur. Bobby, tu m'entends? Où tu es? Ne me laisse pas tout seul ici, Bobby. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Attention aux mines, petit. L'endroit est un peu terrifiant, faut dire ce qui est. Qu'est-ce que lui il a à nous dire? Oui. Ah ouais. Hey Dogen, ça va pas? J'explose à chaque fois. À toi de jouer, petit. Suis-moi. Je vais t'aider à traverser les mines. Ok. Bon, alors... par contre, je n'ai aucune idée de l'intérêt de cette mission d'escorte. Enfin, je ne sais pas ce que j'avais gagné. Tu peux le faire, Dogen. Tu n'as qu'à me suivre. Ok. En fait, c'est ça. Faut que je le calme. Je n'y arrive pas. Tu peux le faire, Dogen. Tu n'as qu'à me suivre. Ok. Par contre, là, c'est la bribe du démineur qui m'intéresse. Parce que comme elle se balade, elle n'est vraiment pas simple à attraper. Je n'y arrive pas. Tu peux le faire, Dogen. Tu n'as qu'à me suivre. Ok. Ici. On dirait un escargot qui va monter dans son échelle. J'ai pas explosé du tout. Ouais, c'était bien. Ça, c'est pour m'avoir aidé. Bon, salut. Yay, petit bonus. Pointe de flèche psychique. Son énergie brute augmentera légèrement la valeur de mes pointes de flèche. Ouh. Plus de sous et une augmentation de la valeur de mes sous. Je vois le drapeau, mais j'aimerais récupérer la grenade avant. Voilà. Et là, normalement, je crois que j'ai tout. Comment est-ce qu'on active ce drapeau? Allez, on grimpe, en grimpant. Est-ce que je peux sauvegarder dans un niveau? Oui. Au moins, c'est rapide. Ça peut être pratique de sauvegarder comme ça, les passages importants. Allez, on essaie de finir ce niveau avant la fin de la vidéo. On se concentre. Je suis sûr qu'on a presque fini. L'avion va s'écraser, soldat! Saute par cette porte et j'ai rendez-vous! Hey, personne n'a parlé de parachute! César avait un parachute quand il a franchi le Rubicon! Saute! Dis, elle a genre une chute, ton histoire? Je t'ai déjà parlé de Lato, il me semble que non. Puis j'ai donné un os à Azor. Allez. On saute sans parachute. Hey, regarde! C'est Raz! Ouais! Raz,
On n'y arrive pas. Ouais, on est nuls. Et le coach n'ouvrira la porte quand quelqu'un aura gagné. Ouais, Rose, tape là pour commencer. Bon, je vais prendre les bribes de souvenirs et je vais m'arrêter là maintenant que nous sommes passés dans une autre partie du niveau où il neige. Je pense d'ailleurs que c'est l'entraînement au combat. J'espère que l'épisode en tout cas vous a plu et que vous êtes curieux comme moi de voir la suite de l'histoire. En attendant, si pour l'instant cette série vous passionne, intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour de futures vidéos sous Psychonauts. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.